au mémé. À table. Toi aussi, Sissi. Que mange-t-on aujourd'hui? Du saumon, c'est vendredi. Une vie bien agréable. Oncle fer à forger. Oncle pas brûlé. Oncle petit frère annoncé. Une vie bien agréable. Sans souci. Vraiment sans souci? Vinabrot, un jeune artisan forgeron, dut fuir les envahisseurs. Son père, en lui confiant l'œuvre magique, l'a chargé de préserver son secret. Aumônette pleure car son père, Narkiv, l'a promise en mariage au duc Eurome de Saint-Gilles, de 30 ans d'âge, son aîné. Les jeunes gens se rencontrent au marché de Bayeux. Ils tombent éperdument amoureux et fuient ensemble. Hildegbert, comte de Montcoq, seigneur de la Meurie, le cœur sur la main, à l'autre à l'épée, les protège et les installe dans ce magnifique endroit. Ils vivent en paix et donnent naissance à leur premier enfant. Ilside, ravissant enfant, grandit à la Meurie, heureuse et entourée d'amour. Vine chérie, es-tu sûre que ton secret soit bien gardé? Oui, oh mamie. Peut-on le croire? Nous sommes les seuls ici à le connaître. Il est donc bien gardé. Maman, c'est quoi ce secret bien gardé? Chut! C'est quelque chose qu'il ne faut répéter à personne. Par exemple, cette enseigne que tu vois là, eh bien, ton grand-père l'a forgée à Cricbeuf. Puis ton père, dans sa fuite des envahisseurs, l'a apporté ici. C'est une enseigne magique. Elle rend les sources fabuleuses et merveilleuses. On dirait une légende. C'est pas tout. Quiconque boira à cette fontaine connaîtra le bonheur, ici plus qu'hier et bien moins que demain. On dirait un poème. Voilà, belle enfant. As-tu d'autres questions? Non. Ah si, ici le secret. N'est pas bien gardé. C'est une malédiction. Quiconque ce crédit devra en Normandie toujours avoir sur lui robuste parapluie. Là, mon épouse, qu'as-tu donc dit là? Gloups! Grand-mère me l'avait dit, où ta mère repasse, les secrets trépassent. Et pourquoi belle-maman ne me l'a-t-elle pas à moi dit? Mon époux. Parce que c'est un secret. C'est pour cela que, depuis, de temps en temps, il pleut en Normandie. Une vraie légende. Peut-être ben un couet, peut-être ben un clon.